Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne qui vous donne information. Sans problème. Bien. Après au fin manger, yon manger qui t'a gen poison la donne, mardi soir 21 juin 2022, gen 20 moun parmi yo ti bébé, femme enceinte ak gran moun qui gravement grave sou cabane l'hôpital dans localité Campèche, commune Goumon, département la Tibonite. Gen en pile natif natal République Dominicain cap opéré en dedans gang exam yo nan pays d'Haïti, c'est sa natif natal dominicain Molay Ortiz Mieses di direction centrale la police cap travail pour la justice la DCPJ qui arrêté depuis vendredi 13 mai 2022 dans 5e avenue Bolos Port-au-Prince comme suspect dans divers mauvais actes tant que kidnapping n'a pas bloqué divers chroniques nous tant que économie technologie la santé à la culture. Après, yo fin manje yon manje ki ta gen poison la dan, mardi soir 21 juin 2022 a gen 20 moun, parmi yo ti bébé, femme enceinte ak gran moun ki gravement grave sou cabane l'hôpital nan localité Campèche, commune Goumon, département la Tibonite. D'après élément de formation ki disponible, fami sa te ajouté yon substance yo te pensé ki te farine. Nan manje ou tap manje nan dimanche 19 juin 2022 an, pou koune an malade de l'hôpital et a pran soin ka yo nécessité. An koute yon konfrè nou, Wanchel Renier, kap pote plus détail pou nou. Gen avion 20 moun ki te alon te déplacé ki pou zon alon lot, total refugié nan 3e section Rivière Blanche et nan localité ki le nan Campèche. Donc pendant ou tap prepare nourriture pou manje, bon, ta semble nan préparation sos la, utilise un produit qui semble à farine, mais c'est un produit qu'on utilisait pour bête, pour tuer bête. Donc ça vient même que moi j'ai empoisonné. Donc là, même si moi j'ai touché, que c'est en urgence obligé qu'on vienne à l'hôpital là avec eux. Mais c'est pas des gens qui mourent, non. Il y en a obligé d'en reprendre, mais il y a des gens qui ont vraiment qui ont l'oxygène. Au contraire, il y a un groupe de parents qui se parle de beaucoup de gens là, et on dirait que l'État va accompagner eux. L'hôpital a exigé au COP. Actuellement, là, j'ai monté l'hôpital là qui n'est pas joué, parce que la majorité donne de toutes bagarres pour rejoindre les acheteurs et acheteurs. Bon, environ une dizaine, plus ou moins stable, là. On va voir, mais il reste mon yo, c'est de mon demander qu'à faire pour essayer. Bah, mais c'est pas que grave, parce que ça. Sauf que, y a quelques mounes qui n'ont oxygène, selon ça, pour faire notre santé là. Et par rapport à la quantité ça qui est en, et, quatre mêmes de l'hôpital là même. Que moi, fait manœuvre avec eux dans la zone là. C'était un confrère non dans une radio Gomonio Wanchel Renier. Dans chapitre insécurité gen pile natif natal République Dominicain cap opéré en dedans gang exam yo nan pays d'Haïti, c'est ça natif natal dominicain Molay Ortiz Mieses di direction centrale la police cap travail pour la justice la DCPJ qui arrêté le depuis vendredi 13 mai 2022 dans 5e avenue Bolos Port-au-Prince comme suspect dans divers mauvais actes tant que kidnapping. Bandi ça qui était installé dans pays a fait partie dans un premier temps gang qui relé Timakak qui basé li dans zone la boule côté li té 3e chef gang ça. Bandi ça fait qu'on est tout li té impliqué dans plusieurs assassinats et puis divers cas kidnapping. Si nous ka arrivé compter combien grain diri qui gain dans un sac, n'a capable compter tout combien moun moins kidnappé ak touyé. C'est ça Ortiz Mieses déclaré d'après sa police rapporté dans une publication. Bandi ça avoué tout li té participé dans l'amour inspecteur divisionnel la police là dans Jerry Toussaint dans date 1er janvier 2022 passé à dans zone la boule 12 avant l'été vin entré dans yon gang cap opéré dans zone Grand Ravine qui gen en tête li chef bandi qui pote nom ti l'appli. Toujours dans chapitre insécurité chambre commerce et industrie département sud pays d'Haïti levé la voix encore contre climat latéré gang exam yo qui continue à touyer kidnapper ak déchèpiller femme kou garçon chaque jour sous territoire national là. Dans une note pour la presse limitée d'ailleurs chambre commerce et industrie sud là dénoncé le fait que viré tourner gagne cargaison marchandise bandi exam a détourné dans zone Matissa ak Fontamara ça qui lagué en pile famille dans la misère et puis qui fait businessman yo dans grand sud là fait faillite. Chambre commerce industrie sidlan fait qu'on est anémie économique ça risque déboucher sur une crise là manger plus grave toujours et l'autre bord chambre commerce industrie sidlan mandé gouvernement de facto pour lui prendre disposition sans printemps pour faire l'ordre à sécurité retourner sur tout territoire république là en particulier dans zone matissant pour population grand sud là capable recommencer mener la vie sociale et économique libre.
Mercredi matin 22 juin 2022, bandi a examen la ge machin fritay Mona Jean-Baptiste yo te kidnappé na soir lundi 20 juin 2022 na avenue Magloire-Amboise. Mardi 21 juin 2022, a te gen gros mouvement protestation na avenue Magloire-Amboise contre kidnapping sa. Nou pa rive konnen circonstance libération businessman nan Mona Jean-Baptiste. Na soir mardi 21 juin 2022, a bandi a examen kidnappé nan mon cave commune en Pétionville, Jean-Austin Amiziel qui c'est ancien délégué département Latibonite. D'après information qui disponible, victime nan tap sorti nan yon réunion, bandi a examen yo ki te fait zak kidnapping nan tap circulé nan plusieurs machines. Nan chapitre économie, agence université francophonie souhaité solidarité ak chita tande pour changer tout bon société pays d'Haïti. C'est koutrel sa agence université francophonie envoyé nan moment l'étape lancée mercredi 22 juin 2022 à premier numéro ça lirile salon travail ak business étudiant nan pays d'Haïti nan cadre cérémonie lancement ça AUF ak partenaires li ont profité remettre chèque nan yon façon symbolique bay responsable 30 entreprises qui bénéficient yo chaque là yon financement $10,000 américains nan cadre yon projet qui rele réseau solidaire kap bay accompagnement pour création entreprise RESAS directeur AUF là nan Caraïbes là Saulo Neiva conseiller pour gagner solidarité et dialogue pour capable changer pays à en côté directeur AUF Caraïbes Saulo Neiva cap porter plus détails pour nous. L'ambassade suisse, la BRH, Focal et la Fondation Sogedan acceptent le principe de financer certaines des entreprises sélectionnées à la première étape pour qu'elles soient créées, un financement à hauteur de $10,000 américains, un financement qui se fait dans un esprit solidaire, ce qui signifie que les jeunes s'engagent à créer leur entreprise, à s'investir dans le développement de leur entreprise et du pays, et s'engagent à dialoguer entre eux pour la création de ce réseau collectif. Depuis 2022, nous avons veillé aussi à valoriser les projets émanant du Grand Sud. C'est une façon d'exprimer notre solidarité vis-à-vis de la zone touchée par le séisme d'août 2021. Donc ces coefficients, d'un point de vue territorial et d'un point de vue genre, viennent intervenir et promouvoir des projets émanant de ces territoires et portés par des femmes. Cet après-midi, donc le message que nous livrons, c'est que aucune transformation du pays ne sera possible sans qu'il y ait de la solidarité, sans qu'il y ait du dialogue, sans qu'il y ait cette force collective capable d'émaner et de transformer le pays, de vous permettre de vous investir dans votre vie en même temps que vous investissez dans la vie du gouvernement de votre pays. C'était directeur AIF Caraïbes, Saulo Neiva. Plus passé 30 organisations sociales et politiques dans le pays d'Haïti, mandé gouvernement la Chine et la Russie, servi ak droit au gagné dans le Conseil de sécurité organisation Nations Unies pour dérefuser prolonger mandat bureau intégré Nations Unies, yo plus connaît son nom binuan, Cap Bout, vendredi 15 juillet 2022, Cap Vinian. Docteur Jean-Enol Buteau, qui c'est yon responsable alternative socialiste là, qui signe lettre sa yo, fait connait pendant passage li dans le pays, binu pas poté un yon pour Haïti, sinon, rend situation crise plusieurs formes nan vin pi malouk. An koute docteur Jean-Enol Buteau ka pote plus détails pour nous. Pendant tout ces jours béni en Haïti, il pas jamais que contribuer à autre chose que renforcer pouvoir autocratique en place là, les participer dans toute ça me dak a dit dérive autoritaire et dérive totalitaire que pouvoir en place là faire, les également participer dans la démantèlement, institutionnalisation de la police, là, et également participer à la mise en place ou de la Fédération Gangno, au point que le représentant spécial là, lui-même dit que la Fédération Gangno, c'est un bon bagage pour le pays, au point que également, il y a un rapport dans l'ONU, côté que même Antonio Guterres, répéter phrase ça, il dit que depuis fédération, depuis que gang fédéré, même s'il y a plus kidnapping, mais il y a moins meurtre, ce qui est une absurdité. Vous comprenez, bah, ils sont allés de perte. C'est des crimes que vous voyez peut-être même aussi violents que meurtre. Nous connaissons que c'est pas comme ça, aussi dur, journaliste, et m'dak a dit, métier journaliste, là, y est, même t'as posé aux questions, m'ka reposer, mais c'est pas où m'poser questions, m'a posé population une question, là. Dans quel sens mandat binuan, présence mandat binuan, permettre que la police ne fait face à l'insécurité. Au contraire, depuis binuan, Jean lié à Jean structuré à là,
nous avons beaucoup plus de crimes, beaucoup plus d'insécurité, beaucoup plus de meurtres. Donc, c'est une question à nous poser à l'envers tout. Et comme on a dit là, ça, on dit en français, blanc, bonnet, bonnet, blanc, qui garantit que je l'ai aujourd'hui avec présence Binet. Nous même parler, nous faisons ce que tu as parlé là, moi, je dis que c'est sous Binet, c'est par l'intervention de représentants spéciaux là que gang fédéré. Donc, vraiment, de toute façon, comme on dit en français, on est mal barré. Yon autre bord, toute population Haïti a ta doué campé contre projet prolongation mandat Binuyen qui pas réglé un yon qui bon pour pays d'Haïti, c'est disons parti politique alternative socialiste ASSO. Bagay yo vin extrêmement et aggravé dans la question Binuyen. Et son façon pour qu'on y ait nous-mêmes, pour nous mettre et population en face responsabilité. Il y a responsabilité pour nous faire ça que nous-mêmes dans l'alternative socialiste nous avons dit depuis des mois et des mois que nous faut qu'on parole ou mais faut qu'on mouvement généralisé qui fait dans le pays parce que comment encore ben ça a démontré globalement non seulement faiblesse institution mais faiblesse et dénuement pays à tout parce que le Macron bagay et Ariel Henry il pas gagne qu'en force dans pays il pas gagne qu'en base sociale je au moins longtemps ou te gagne doit dire que on individu quand commenter lui par exemple il te fait paraître puis te gagne un ancrage dans petite bourgeoisie c'est-à-dire classement élevé qui dans pays il te gagne un ancrage d'ailleurs mais je dis à même ça pas qu'a dit Ariel Henry fait un soi-disant pour la galerie, une sorte de alliance avec deux ou trois raqueteurs politiques, deux ou trois commerçants politiques. Il fait une alliance avec eux pour être capable tout simplement vendre l'international, soi-disant en forme de consensus. Depuis le fin de vendre, mais au fond, pas grand-rien qui fait. Pas grand-rien qui fait qui ne semble consensus, ni semble que le pays a pris en charge. Donc, nous n'avons pas rien pour nous faire que faire soulèvement que nous besoin. Nous besoin faire soulèvement ça pour mettre la population. Prendre destin en main parce que c'est la seule façon qu'on est capable de gommer avec nous. C'est la seule façon qu'on est capable de mettre l'autre dans la police là tout. C'était Dr. Jean-Enol Buteau qui est un responsable alternatif socialiste ASSO. Fok gagne un bilan qui pou fait sous présence ONU dans le pays d'Haïti depuis l'année 1990 côté résultat yo totalement négatif pour peuple haïtien. L'important pour gagne un bilan sérieux qui responsable qui pou fait par rapport à présence Nations Unies dans le pays d'Haïti d'après directeur exécutif plateforme haïtien pour un développement alternatif PAPDA Camille Chalmers. Yon l'autre bord économiste Camille Chalmers mandé pour gagne réparation qui fait pour peuple haïtien par rapport à crime massif viol qui fait contre peuple haïtien. Les rappeler choléra était la cause plus passée 40 000 monde a perdu la vie sans compter 800 000 autres t'est infecté ça qui fait Nations Unies pas gain crédibilité pour lui parler de droit monde alors que li pas jamais réparer tort li t'est fait dans pays d'Haïti d'après économiste Camille Chalmers. On écoute le capoté plus détail pour nous. Nous tout à fait opposé à ça et nous pensons que gagner un bilan qui doit être fait de présence mission onusienne en Haïti depuis les années 90, succession de missions, et côté que résultat est très clairement pas au rendez-vous, côté que bilan négatif totalement pour le peuple haïtien, côté que je dis un problème est beaucoup plus grave, désarticulation institutionnelle plus grave, effondrement de l'État plus grave, tissu social plus déchiré, conflit plus grave, dépendance pays par rapport à l'extérieur, notamment au niveau alimentaire plus grave, donc vraiment son bilan catastrophique, n'est-ce pas? Et il est très très important, non seulement au vu de l'importance moyenne qui était déployée, par exemple au niveau de la MINUSTAH, on a parlé de plusieurs milliards de dollars américains, c'est pas, et résultat tout à fait négatif. Et je dis, ça a demandé que gagner un bilan sérieux, exhaustif et responsable, et que nous-mêmes, au niveau PAPDA et en pilote organisation, nous-mêmes nous réclamer réparation par rapport à l'ensemble de bagages que nous considérons comme des crimes qui commettent contre le peuple haïtien, notamment la question des viols massif, la question de du choléra, et 40 000 morts, 800 000 infectés. Donc, nous pensons, ils sont pas capables, les Nations Unies pas capables de gagner crédibilité pour parler de droit moun, et puis le fait, ça en Haïti, et puis le pas jamais réparer. Donc, je dis, faut que question ça va poser, et nous pensons que c'est l'opportunité, justement, vu
le caractère dramatique de crise que nous vivons aujourd'hui en Haïti pour nous redéfinir complètement les relations d'Haïti avec le système mondial et les relations d'Haïti avec le système des Nations Unies. C'était économiste Camille Chalmers. Actualité internationale à collaboratrice nous, Marie Farah Fortuny. Yo pa jwenn 21 policiers après attaque mardi 21 juin au poste police yon ville dans les pays Équateur d'après sa ministre intérieur Patricio Carrillo fait connait. Foule nan te attaqué et puis mete di fe nan poste police ville Puyo dans province amazonienne Pastaza. Côté 6 policiers blessés, yon communauté indigène Kembe 3 en otage et puis 18 lot disparaît. C'est ça Patricio Carrillo fait connait dans une conférence pour la presse Quito. La police brésilienne a arrêté mercredi 22 juin Milton Ribeiro, ancien ministre d'éducation président Jair Bolsonaro, qui gagne accusation corruption et tout trafic influence dans attribution fonds publics. C'est ça avocat annoncé lui-même qu'a crié injustice. Mouamas quotidien Fola Sao Paulo te révélé yon enregistrement côté ministre te dit li baye en priorité subvention à l'école municipalité zami de pasteur influent ap géré sous demande président Bolsonaro. L'autre information, 71 ancien élève l'école militaire qui te condamné pour passer toute vie en prison pour implication dans coup d'état raté juillet 2016 là, jeune libération yo après une décision cour cassation d'après sa médiatique yo fait connait mercredi. Vice-président mais tout candidat pour présidentiel kenyan William Ruto déclaré l'a mettez dehors ressortissant chinois qui occupé travail kenya était capable occuper s'il bon dans élection mois août là. Élection présidentielle législative à local 9 août là a fait alors que pigo économie afrique l'est là fait face à difficulté économique pandémie covid-19 là mais tout la guerre pays Ukraine dans la cause. Prince héritier Coretlan annoncé assemblée met organisation prochaine élection législative yo crasé pays pétrolier golf lan plongé depuis quelques années dans une crise politique entre exécutif apparemment qui pas jamais fini. Et puis député israélien yo possédé mercredi 22 juin à un vote préliminaire sur un texte qui visait craser parlement et puis organiser l'autre élection des jours après Naftali Bennett dans tête une fragile coalition gouvernementale font quitter ça. Et n'a pas la principale information nous présenter pour yo. Après au fin manger yon manger qui ta gen poison la donne mardi soir 21 juin 2022 gen 20 moun parmi yo ti bébé femme enceinte ak grand moun qui gravement grave sous cabane l'hôpital dans localité Campèche commune Goumon département Bonite. Gen un pile natif natal République Dominicain cap opéré en dedans gang examio nan pays d'Haïti. C'est sa natif natal Dominicain Molay Ortiz Mieses di direction centrale la police cap travail pour la justice la DCPJ qui arrêté le depuis vendredi 13 mai 2022 dans 5e avenue Bolos Port-au-Prince comme suspect nan divers mauvais actes tankou kidnapping.